La manœuvre consiste à évacuer un ouvrier qui est blessé au niveau de la machinerie par moyen d'une civière, d'un accompagnateur, un grimpeur, et puis au moyen d'une corde. On a une hauteur approximative d'une centaine de mètres. D'accord. Donc la mise en place dure à peu près une vingtaine de minutes pour mettre en place le dispositif. Un tel accident est déjà arrivé? Oui, c'est arrivé il y a à peu près il y a 4-5 ans d'ici. Donc un agent de maintien s'est blessé au niveau du dos, donc on a dû l'évacuer par l'extérieur. Exactement la même manœuvre que celle-ci qu'on fait aujourd'hui.